peut apercevoir derrière, c'est Séoul. Et c'est la première étape de notre voyage en Corée du Sud. J'ai bien hâte de voir ce que ce pays nous réserve. Des nouilles, il faut dire que ça fait envie, donc on se pose pour essayer. Bah ça y est, on est servi, à l'attaque. C'est aux algues. Il y a des néons un peu partout là, il y a plein de lumière et tout, on se prend en plein jour. Avec pas mal de boutiques stylées, des petits bars, des petits restos où toute la jeunesse vient sortir, enfin entre amis. Donc c'est plutôt sympa pour se balader. Et du coup, on cherche un endroit où manger. Donc on y va. De te sentir un petit peu seul ici? Complètement. Paumé. Mais nulle part. Faut vraiment que je vous parle d'un lieu. Là, on est à Seorakdong et cet endroit est extrêmement particulier. Je vais vous montrer pourquoi. C'est un territoire qui appartenait avant à la Corée du Nord, mais qui en fait est revenu à la Corée du Sud. Et même si c'est pas la haute saison en ce moment, on peut apercevoir qu'il y a plein d'hôtels fermés partout et en fait ça fait ville morte ici. Apparemment, c'est le bon endroit pour le rugby. Ah, ok. Il y en a un là. Ah, basse. Ah ouais, basse. Basse. C'est celui-là? Ok. Bon, finalement, on a réussi à se faire comprendre quand même. Et je crois que c'est le bon bus pour rentrer au niveau de la ville. On savait pas trop où aller manger ce soir.
Et en fait, en demandant notre chemin dans la rue, il y a une passante en fait, qui nous a emmenés ici. Et je crois que c'est une petite merveille de ce resto. Ça, ce sont les cuisines avec la cuisto. La petite mamie nous a commandé un sambap. Donc apparemment, c'est une succession de plein de petits plats accompagnés de riz. Et donc là, c'est un vrai festin qu'on a sous nos yeux. Moi, je crois que ce soir, on a fait honneur à la cuisine sud-coréenne. Et on peut dire merci au sambap, c'est une vraie tuerie ce plat-là. Busan, c'est la deuxième ville du pays. Elle est réputée pour son festival de cinéma, ses plages, mais aussi son marché aux poissons où apparemment on peut tout y trouver. Voilà, c'est la première fois que j'essaye le soju. Ah, c'est léger. Notre aventure sud-coréenne se termine. Séoul est une métropole captivante en perpétuel mouvement. Mais la Corée du Sud offre bien d'autres lieux d'exception, comme le Seoraksan, Busan ou l'île de Jeju avec le Hallasan. La cuisine sud-coréenne est une pure merveille. Vive le kimchi! Et merci à tous les Sud-Coréens qui ont toujours fait preuve d'une grande gentillesse à notre égard. Allez, bon voyage à tous!